Information nous allons pour développer pour après-midi à dans journal ça concernant 218e anniversaire indépendance pays à dans Gonaïve ça passé à commissaire gouvernement Gonaïve là et Sérard Gardius qui annonçait pour mettre action publique en mouvement concernant monde qui était gâté célébration d'après ça le fait connaître et rappeler indépendance pays à qui était proclamé dans Gonaïve et c'est fait partie de histoire à tradition et peuple haïtien doit kembe d'après déclaration commissaire gouvernement fait dans micro correspondant nous dans Gonaïve et concernant date historique ça sous spectacle la honte dans occasion 218e anniversaire indépendance pays n'a gain historien Georges Michel et puis gain ancien colonel Himmler Rebu qui déclarait et premier ministre de facto pas de gain pour te aller Gonaïve et tout profiter parti à bord ancien président chambre député Jean-Tolbert Alexis nous t'a couru doba et dans Gonaïve avec ancien sénateur ancien président sénat Ronald Larèche et puis tout l'autre monde qui a bat bravo la contentement selon eux même qui dit Ariel Henry était à lever défi dans Gonaïve n'a pas de dirigeant Gréa et toujours sous même dossier ça avec l'autre dossier débat et qui gagne dans actualité politique là sénateur Patrice Dumont qui concerné lui fait connait mandal pas fini lundi mais l'a fini deuxième lundi mois janvier 2023 et lui fait connait Ariel Henry pas gain aucune légitimité pour le mettre en cause mandat aucun sénateur et sous gain un véritable débat par exemple gain ancien sénateur plateau central Francisco de la Cruz qui fait connait deuxième lundi mois de janvier mandat 10 derniers sénateurs au bout d'après ça le fait connait dans interview li bay radio Kiskeya l'autre point c'est 5 monde qui blessé pour pipiti gain jeudi 31 décembre pour arriver et 3 janvier sous Belair les groupes G9 et envahi zone ça selon Marc André Alexandre une porte-parole moun Belair qui a porté plus en précision dans micro et puis gain Interpol qui arrêté un mercenaire présumé dans attaque qui était faite par Jovenel Moïse et côté Jovenel Moïse perdu la ville 7 juillet qui s'est passé là il a arrêté c'est Palacios alors que Jamaïque t'a voyé monsieur tourner la caille pendant la fait escale dans l'aéroport international Panama et il a arrêté dans cadre dossier haïtien. N'a bien pour nous parler de état mauvais état route pas porte entrée pays d'Haïti route aéroport Kafourita Kafoufleurio et puis gain deux épidémies sous territoire et en pile monde a plein yo gain la fièvre il y a pas est-ce que son fièvre saison nous en période côté le fait fret en saison hivernale mais selon docteur William Pape dans interview by Radio Kiskeya il fait qu'on est pays a gain deux épidémies dans territoire haïtien pourquoi il a gain épidémie saisonnière qui est l'influenza côté moun yo grippe yo gain la fièvre et puis à coronavirus dans cap frappé selon docteur William Pape dans interview li bay Radio Kiskeya. Dans actualité internationale là, États-Unis bat un record mondial, 1 million Américains trappé COVID-19 là version Omicron et la France pas petit tout derrière parce que l'regard des populations, États-Unis c'est plus que 300 millions d'habitants, la France c'est 60 millions, il y a 300 000 monde et qui trappe virus nan, d'après sa ministre en santé et publique dans pays la France nan déclaré mais pour un candidat à la présidence dans élection qui pourra le faire dans pays la France Anessa et qui sont candidat extrême droite Éric Zemmour lui accusé Emmanuel Macron d'après avoir la servi à pandémie pour capable voler élection présidentielle là d'après ça lui dénoncé. Et n'a gagné tout pour nous faire un coup de pied dans le continent africain, côté pays soudan toujours en bouleverse, population toujours levée campé pour faire manifestation l'armée, après premier ministre civil l'a démissionné, dans le pays Maroc, même c'est agence voyageur qui a manifesté le fait que le gouvernement ferme frontière pays pour COVID-19. Comment est-il possible pour quitter le Parlement sud-africain boulé? C'est une question qui a posé, alors que Dufayat a continué jour et jeudi. Le retour en Amérique, dans le pays Venezuela, Guaido, nous ne pouvons pas parler de lui encore, mais toujours il y a appui.
un président sans pouvoir dans le pays Venezuela parce que une bataille idéologique entre gouvernement américain et le président Maduro, bien entendu. On a parlé tout de la science côté gagnant et pour la première fois yo voyé un télescope à toute puissance ça dans l'espace, télescope ça y aurait le James Webb, il déplatonnait tout bouclier lunette d'après ça la NASA et annoncé. Et doyen l'humanité a célébré 119e année l'année japonaise, yo rele le Kan Tanaka, alors que dans pays États-Unis, gen deux jumeaux de Marasa qui fait mais yo gon année différence entre yo. 31 décembre, c'est pas qu'à corriger, ça c'est et c'est fatal. Yo fait à 15 minutes d'intervalle, et bien qui résultat, une fête en 2021, l'autre la fête en 2022. Yo c'est Marasa mais pas j'ai même l'âge. C'est information ça yo ak un pilote nous va gagner pour développer pour vous après-midi dans journal ça. Journal 4 a c'est Unibank qui pote pour nous. Unibank banque 5 étoiles là, c'est meilleure banque pour déposer l'argent. C'est pas seulement cadeau qui fait fête nous la belle. C'est tendresse ou à mettre dans le geste là. Pour faire qu'un monde qui est beau côté ou là content, il met une pile étoile. C'est contentement ou énergie, mon remède. Même si c'est pour un petit moment seulement, côté ou pour des contributions pour rendre la ville plus belle. Un petit sourire, un petit prise, un petit content, une petite visite courtoisée qui a porté la joie à la gaieté dans l'entourage. Dans le moment ça, Unibank souhaite chaque grenaïsien, ni ça qui bon ici, ni ça qui l'autre bon, un nouvel partage pour qu'il y ait une bonne année 2022 dans la paix. Fait mal, nous te cherchons, connaît, puisque le ministère de la Santé publique et la population ne peut pas être en qu'un communiqué pour dire est-ce que y a une épidémie, la fièvre dans le pays. Hein? Nous te parlé à docteur Jean-William Papa, il parlait de deux épidémies, nous avons fait face là dans le territoire haïtien. Il parlait d'une épidémie saison, dans la période ça, et l'influenza, les températures a changé. Et il parlait tout de l'épidémie coronavirus. Donc, contrairement à ça, haïtien pensait, il est toujours là, d'après sa docteur William Pape précisé dans l'interview ça, il y Radio Kiskeya et Jodia, ancien président de la commission scientifique là, qui a géré la crise coronavirus. Il fait qu'on a un pile chance pour variant le Omicron qui a ravagé l'Europe et l'Amérique du Nord, déjà sous territoire haïtien, à cause de plusieurs haïtiens qui vivent dans le pays États-Unis et la République dominicaine. Côté au micro en présent, qui n'a pays à qui fait entrer sautique voyager. Docteur Papa a précisé, Haïti, selon les mêmes passé étape variant qui était plus dangereux, sûrement la parler de Delta, qui était plus dangereux passé au micro, mais au micro très attrapant, lui encourager, monde qui peut faire ça, prend vaccin contre nouveau coronavirus. N'attendez docteur Jean-William Papa dans le micro, Ketia Jean-Pierre Taylor. Yeah. Au moins deux épidémies que nous gagnons pour nous. Il y a d'abord l'épidémie de grippe, c'est ce là qui est due à influenza AH3 et influenza B. Ça, c'est COVID. Là. Donc, c'est deux bagailles que nous gagnons en même temps et au monde capable de gagner les deux. Son grippe qui, aux États-Unis, a affecté 50 000 personnes, c'est pour ça que nous avons la grippe. Il y a 50 000 personnes qui le tuent chaque année aux États-Unis. En Haïti, nous n'avons pas de statistiques précises pour connaître combien de monde est tué. Vous parlez de deux virus qui sont capables de faire des gens malades pendant les derniers jours, avec épidémie, fièvre, qui fait mal, qui crase nous. Vous parlez de virus influenza qui tue les gens aux États-Unis. Et puis, vous parlez tout de coronavirus. Coronavirus, est-ce que c'est coronavirus et nous te connaissons ou bien l'autre variant ou bien est-ce que nous gagnons variant Omicron sur le territoire? Pour documenter. Le vaccin Omicron là, il faut faire des tests sur les des tests de séquençage. Ces tests-là, que nous pas fait en Haïti, que pour faire dans l'autre laboratoire à l'étranger. Et la plupart des pays pas fait, comme Cadou, Saint-Domingue, pas fait non plus. Ils vont être sur des laboratoires spécialisés. Dernière fois, nous avons fait étude de séquençage, ils remontaient dans fin octobre
et le SARS 67% caillou, c'était Delta que nous avons gagné. Ça que fait nous penser que Omicron en Haïti, c'est au moins pour deux raisons. Parce que première raison, c'est parce que plusieurs Haïtiens qui sont aux États-Unis en particulier, côté que le virus là finit rager quand pour ça veut dire que le vaccin pas empêché infecté avec le virus Omicron. 94 à 95% monde qui hospitalisé et monde qui a une chance pour mourir, c'est monde qui pas prend vaccin. Maintenant, on a intérêt que ce Omicron, que c'est l'autre variant prend vaccin. Et docteur Pape, est-ce que monde capable de dire Haïtien ou bien Haïti son pays qui est épargné de maladie coronavirus là? C'est tout à fait vrai, mal bon statistique. Yo. En Haïti, nous avons 58 personnes qui mourent par 1 million d'habitants. 58. Jamaïque, il y a 751. République dominicaine, il y a 384. Cuba, il y a 727. Et nous n'avons pas qu'à dire que nous avons une meilleure santé, meilleur système de santé que Cuba, loin de là. Et nous n'avons pas qu'à dire que nous avons un meilleur système de santé que Jamaïque ou République dominicaine. Donc, il n'est pas venu dans le système de santé, hein. Les vignes vraiment dans le fait que la population lui-même, les bonnes sortes de protection qui aident les. Voilà, docteur Jean-William Pape, qui est patron centre GESCUO, que tout le monde connaît dans le pays d'Haïti, qui sont somnités, non seulement en Haïti, mais sur le plan international, dans le travail qu'il fait contre la maladie SIDA. Et puis tout, on est là dans le dossier coronavirus, non? Et il confirme pour nous qu'il y a deux épidémies et sous territoire, épidémie saisonnière et influenza et coqueras, grippe, la fièvre et puis coronavirus, non, bien entendu, dit pour lui-même, Omicron déjà en Haïti. T'as répondu question Ketia Jean-Pierre Taylor. Concernant coronavirus, non, nous connaissons qui était vedette pour année 2021, qui c'est les mêmes pays, tant qu'aux États-Unis et Amérique du Nord en général, Canada, et puis avec l'Europe, là, elle a fait face à lui et a commencé année 2022 à Avel. États-Unis bat un record mondial, jour et jour, à côté, il y a environ 1 million Américains qui trappent le dernier variant, qui c'est Omicron, d'après sa autorité dans la santé, dans le pays. États-Unis, by comme information Université John Hopkins publié jour et jeudi. Et à cause de fête finissement l'année, a été gagné un week-end qui était long, week-end Noël, ak week-end et jour de l'an. Eh bien, moun yo commence à rentrer, retourner dans travail, dans famille, donner Université John Hopkins dit que États-Unis bat un record dans ce qui concerne COVID-19. Il y a 1 million Américains dans 24 heures qui contaminés en bas maladie. Et c'est même situation pour pays la France. Et Olivier Véran, qui est ministre de santé et dans le pays de la France, fait qu'on a 300 000 cas dans 24 heures de temps enregistrés dans le pays de la France. On vini kounye la ak lot un gros point d'actualité, on a retourné dans le 218e anniversaire et indépendance pays, bon, qui n'est pas fait, nous capable de célébration dans la cité indépendance, non? Commissaire gouvernement Gonaïve là, maître Sérard Gazius, qui dit le condamné ça passé 1er janvier et qui saute passé là, côté nous connaît comment Ariel Henry ak partisan yo même dans gouvernement yo te couri quitter cathédrale là, papier et par tête et côté yo te metté yon gilet par balle sous tête. Et pour le ministre, après qu'il a déclaré le papel, pas jambe, ben nous te voyons dans qui condition te râle pour te sorti dans la cathédrale Gonaïve, lui-même ensemble avec Patizan, la deux anciens présidents chambre et député Tolbert Alexis qui s'est allié dans le pouvoir. Et bien, commissaire gouvernement, nous pas tendez que te parler dans l'occasion ça, mais qui quoi il est là à parler, il parle dans le micro correspondant nous, lui fait connaître l'intention pour le mettre action publique en mouvement, ça que le pas fait en avant ni pendant.
date là 1er janvier a lui rappeler importance jour 1er janvier gain dans histoire peuple haïtien dans tradition et peuple haïtien que pas doué qui t'est tombé ou doué kembe date ça commémoration ça l'attend des commissaires gouvernement Gonaïve là mettre Sérard Gazius dans micro correspondant nous Josué Jean-Baptiste nous-mêmes nous t'ai fait exactement ça nous t'ai doué fait mais arrivé à chemin faisant plan de sécurité nous t'ai gagné était venu dévier dans main nous bon on connaît en matière de sécurité son en hiérarchie lié tout autant gros chef yo là ou même qui était là ou vient diminuer sous sorte à doué fait ou vient diminuer tout sous commando par exemple l'on prend DDA en absence de DGA c'est lui même qui gagne commande là mais immédiatement DGA arrivé il automatique commande là vient automatiquement dans main DGA les ça doit gon synergie DGA commande DDA faire ça ou non etc. vous comprenez mais Jean nous te fait plan nous te font plan de sécurité pour toute bagaille bien passé malheureusement plan vient dévier dans main nous ou arrivé à la dernière minute ou vient par contre qui fait quoi presque gardo ouais chaque monde chaque VIP gain sécurité a chercher faire bagaille par eux ça te vienne mettre en cacophonie ça te vienne désorganiser plan et depuis plan désorganisé moi penser nous gain nous t'a joindre ça nous joindre malheureusement nous condamné li et nous dit pas arrêter un peu parce que société a pas qu'à continuer vivre ça et n'a rappelé moun yo pour nous dire que fête de l'indépendance moi penser il fait partie de nam nous il fait partie de ça qui entraîne nous comme peuple fête de l'indépendance c'est fête chaque grand haïtien qui rappelait nous commémorer comment ancêtre te goumen pour nous t'arriver là mais jodi a nous pas cap cracher sous lui jodi a quel que soit problème nous ta gagné mais 1er janvier il doit dire nous quelque chose il doit marquer nous demain nous pour aller mais génération qui va venir en tout faut quitter ça comme tradition pour comprendre 1er janvier qui ça veut dire pour nous comme noir mais malheureusement jodi a ouais qui gens est passé et ça fait mal parce que tout ça qui marqué nous dans histoire nous ouais même nous même n'a détruit et me penser jodi a doit gon conscience au côté citoyen pour nous comprendre 1er janvier il marqué l'histoire nous ça fait là non seulement assassinat parce que gon moun ki mouri mais gon tentative d'assassinat si gen moun wap tire sou yo maintenant pendant moi même de l'église là pendant nous l'église là nous tande bal a pété dehors gen bal ki rive sou l'église là ça veut dire n'était pas l'église là t'est arrivé sou nous parce que moi même t'étais dans l'église avec tout reste moun yo moi pense comme chef de la poursuite pénale nous pas arrêter indifférent même jour action publique en mouvement et ceci contre tout moun ki impliqué nan aksa son acte de barbarie nan 21e siècle là et pas ça pour n'a faire c'est pas ça tout pour n'a vendre comme peuple c'est pas ça pour nous vendre et me souhaiter population comprendre ça. Voilà, c'est commissaire gouvernement Gonaïve là et maître Sérard Gazius qui t'a parlé comme ça nan micro correspondant nous Josué Jean-Baptiste concernant événement qui passait nan Gonaïve yo jour qui était 1er janvier 2022. Nous connaissons sujet ça li continuer à faire débat et côté li provoquer plusieurs réactions et partisans et bon qui pas en pile et Ariel Henry et ak adversaire yo et nous va attendre ancien colonel Himmler Rebu qui fait qu'on est premier ministre de facto docteur Ariel Henry pas doit aller Gonaïve et pour te alpoter image scandale ça la honte ça et sous pays en occasion 218e anniversaire indépendance pays dans interview by Radio Kiskeya ancien colonel là qui c'est un ancien ministre tout est parti à bord ancien président chambre député Jean Talbert Alexis ancien président et sénat haïtien sénateur Ronald Larèche qui fait un pile louange bat bravo la contentement d'après avoir Ariel Henry et a levé un défi dans Gonaïve d'après ça il dit en gros dirigeant Gréa estimé doit gagner un campé qui fait dans ça qui concerne perspective marché pressé pour organiser élection Malathion qui pral compliquer situation malouk pays a déjà à traverser n'attendez dirigeant politique là ancien colonel Himmler Rebu dans micro Vladimir Maurice Ridoy.
Moi, j'ai l'impression que c'est un série de grands monde qui n'a pas de coffin joué et qui prend l'État qui a fait jouer avec lui. Dans un sort de jouet, je ne pas quitter pour guider vous. Nous ramener l'État dans un jouet, dans une plaisanterie. Donc, c'est de grands monde qui sautent dans le niveau grand monde. Et puis, il a fait plaisanterie avec Timoun. Et Timoun, il vient tourner grand monde sur lui. Ça m'a constaté ces troubles gouvernementaux. C'est ça où il est dans le langage technique. Il y a un feu de barrage et d'évacuation. C'est un feu. Sur le plan technique, c'est empêcher de monde qui a une intention pour arriver côté à pour ressentir pas qu'à briver. C'est ça, on fait des barrages. Ça permet que le monde qui est derrière l'autre côté à tirer, il doit passer librement, il n'y a pas qu'à tête qui est capable de faire sur. Cela veut dire que grand monde qui était souterrain, qui était les connaissances techniques, qui t'a utilisé connaissances ça, mais officiel eux-mêmes, comme ils ont pas maîtrisé information ça, ils ont quoi les étapes sociales à force de courir. Ça que me déroule comme mon petit quack, il y a un monde qui baille l'ordre ouvrir le feu et un autre monde qui te baille l'ordre cesser le feu. C'est un problème qui pas doit exister sur le champ d'opération par rapport au principe de l'unité de commandement. Si il y a un monde qui a une capacité pour prendre décision, faut aigle tirer pour une raison pour l'autre, faut que c'est même monde ça qui gagne autorité pour le cap suspendre faute de feu. Maintenant, sur le plan politique, moi, je crois que son situation que le Premier ministre a été mal évaluée parce qu'il était censé célébrer une fête nationale par une entreprise personnelle pour montrer que le bonheur, pour montrer qu'il a une capacité pour affronter le danger. Il était censé représenter l'État. Or, l'État, et surtout dans la cérémonie, ça, il y a plusieurs composants. Pendant l'église là, moi, j'étais le premier ministre avec quelques ministres. Mais pas trop citoyen là. Moi, pas le monde qui chef citoyen, le monde qui azek, kazek, délégué de ville, le monde qui magistrat ville là, citoyen. Mais pas trop le monde qui a mis le pays d'Haïti. Qui raison vous pensez qui fait Dr. Ariel Henry TV aller ou naïf? Ou est pas avec l'image de projeter dans l'occasion de la honte ça? Bon, moi-même, moi, je crois que Dr. Ariel Henry a une mauvaise interprétation de qui ça on l'État est, de distance que l'État fait pour le gain par rapport à l'événement et de caractère sérieux l'État. Moi, je crois que l'État en bagage là comme un bagage personnel. Côté livré, mettez personnalité par comme être humain. Donc, ne serait-ce que pour répondre à cette question, qui allait au-delà de Ariel Henry comme médecin, comme premier ministre, dit parfait pour le Dargonaïd. Parce que son bagage est nouvelle, c'est pays qui a plagué en dedans, on l'obéit, parce que pas aucun côté au prévoir qui est pour remplacer. Tolbert Alexis, ancien sénateur Ronald Larèche, il y a même qui félicité et aller premier ministre dans Dargonaïd. Bon, le monde chef en Haïti et à travers le monde, ou toujours gagne des flatteurs. Wolf flatteur, t'es dit, chef là, ça l'envie tendez. Et yo kap interprété ça qui t'est passé comme une victoire même. Yo kap dou son bon bagay que t'es allé. C'est yo même seulement kap tendez ça et yo kap convaincu. Yo genou même convaincu même. Moi-même, moi t'es tendé depuis t'es à kap parler sur radio. C'est un bagay qui t'es fait la peine. Mais pour voir toujours besoin de type ça yo. Et c'est même moun sa qui toujours fini par pousser pour voir à l'un côté que le pacte fait pour t'aller. Et puis qui mène un agent de désastre que nous habitués vivions. Comment une perspective pour organisation prochaine élection, yo, Dr. Ariel Henry bah, a une mission que le bien pour le réaliser. Si Dr. Ariel Henry arrive à jouer une formule pour changer certaines données sur le plan politique, a fait programme élection, référendum, les dit pour le faire son blague là-bas. Maintenant, si vous voulez faire une élection, dans la même formule que vous utilisez en an 2000-2001, nous avons toujours essayé de faire. Moi-même, je crois qu'il y a une cause qui vous prend pour nous redéfinir certaines données politiques pour nous capables, ensemble, d'y aller vers d'autres choses. Mais si Dr. Ariel Henry, dans la route qu'il prend, je le prends là, je crois que tout le monde est obligé de venir chita sous position lui-même lié, il faut bien mettre en tête que ce n'est pas Haïti, mais c'est une personnalité dans le pays. Et que dans pile l'autre personnalité, en pile ou l'autre groupement qui fait partie du pays, il faut le tenir compte de eux. Là, c'est dirigeant Gréa, colonel Imner Rebu, sous 218e anniversaire indépendance pays qui passait jeune connaissant. Nan Gonaïve et sous ce spectacle la honte 218e anniversaire indépendance pays à historien Georges Michel estimé et premier ministre de facto a prend yon lot en soufflette ak humiliation après ça il te prend 17 octobre lan li précisé peuple et c'est sécurité peuple mandé li pa fè anyen par rapport ak dégradation situation sécurité a li pa normal pour toute
l'autre côté, c'est gang et qui a commandé spécialement dans Matissan côté situation terrible et selon ancien constituant qui exprimait gros tête chargée des gagnants sous situation pays et qui semblait un côté et qui gagnait une la guerre civile et lui rappelait plusieurs voix déjà levées pour te dire Ariel Henry pas à l'ego naïf, il fait tête du une l'autre pas sous débat et pour qu'on ait est-ce que tiers sénat mandal a fini semaine prochaine deuxième lundi et mois janvier et historien journaliste Georges Michel estimé mandat dernier 10 sénateurs a fini ou bien si et c'est 2023 mandat a fini bon on connaît tout un débat et sous ça n'attendez Georges Michel dans micro Beethoven François fils c'est Ariel qui passe parce que Ariel là depuis le 20 juillet le peuple a mandé une chose seule bagaille c'est faire revenir la sécurité craser gang craser kidnapping il pas faire rien dans ça on fait ça pour mener en élection il y a deux missions c'est sécurité à l'élection mais tout autant qu'on parle en sécurité on parle en élection le peuple a pas parce que c'est la macaque que le gouvernement ça a fait alors que pas qu'à satisfait une revendication qui est essentielle, qui est primordiale, qui est une revendication de tout le monde. Ce n'est pas normal pour moi qui sont bloqués, occupés par un chef de gang qui est même un bureau, l'ancien café, Cap Copacabana, il y a un bureau, et le gouvernement ne parle de rien, ne parle pas de rien. Il y a un dispositif peut-être chargé pour protéger le Premier ministre. Gonaïve, ça n'a pas empêché de courir. Ce n'est pas la première fois ça fait. Le 1er janvier 1907, tout est gagné en armée du Nord avec une armée de l'Ouest qui t'a boumé la bataille de Cyber, pas loin août 9. Ensuite, nous vivons ça en 2004 tout. Aristide t'a laissé à Gonaïve, c'est Sud-Africain qui s'est protégé, il se fait 15 minutes, il est obligé de tourner Port-au-Prince, alors que l'autre monde a marché, c'est un match pacifique dans le capitale là. Donc tout autant qu'on parle en consensus politique ou exposé à ça, pour une situation qui semblait une guerre civile psychologique. Donc c'est dit Ariel parler. Humiliation l'été pour le 17 octobre, là, pour vous dire le patas, il n'y a pas de souci, monsieur. Monsieur Vatka a déposé UGM Fleury. Barbecue fait monsieur courir. Et barbecue vini en forme avec costume ni souli. Vin déposé UGM fait parler dans le pont rouge pour papa de Saline. Léon Charles, qui était chef de la police, qui a fait fréquent. Léon Charles était couru à la circulation. Donc, c'est le message ça, que nous avons récolté ça au semi. Nous avons avancé là vers 7 février. Situation, M. Henri Kounia, là, dans la façon de diriger là, et risque pour une vie plus terrible. Nous avons gardé la nouvelle donne qui est là. Si le docteur Ariel Henri mette l'ordre dans les ordres, écrasé grand, peuple n'a pas de bravo, monsieur. Et ça baille, monsieur, tout le temps nécessaire pour faire élection, pour faire tout ça dans le pays. Or, ce n'est pas le cas. Satisfaction numéro 1, il n'y a pas baille, peuple n'a pas le dos. Maintenant, quelle situation, monsieur, y est qu'on y est. Bandit, on va mettre la police en déroute, il y a pour un commissariat dans Matissan. Gouvernement, pas de dire rien là-dedans. Sous fait tirer quelque chose, on va pouvoir qui côté va aller la sautiste et qui mette le pays à la salière là. Sous fait mandat dernier, c'est Sénat. Qui joue la question ça? Moi-même, je n'ai pas, monsieur, en 2023, c'est fini. Puisque 6 ans, c'était moins un an plus Jovenel. Si Jovenel n'était pas fait en 2022, il y a moins un an plus. C'est en 2023, c'est sorti. Voilà, c'est historien, ancien constituant, journaliste, docteur Georges Michel, sous commémoration 218e anniversaire. Indépendance pays d'Haïti, nous connaissons qui passe dans Gagote. Gagné une partie qui intègre le pouvoir, qui fait partie de l'ancienne opposition, et parti Fusion sociale démocrate haïtien, Fusion qui gagne en tête li Edmond Supplice Bozil, qui paraît une note qui condamné à toute force li, n'a cité tentative assassinat sous premier ministre Ariel Henry à toute délégation qui était accompagnée dans Gonaïve, jour qui était 1er janvier 2022, dans occasion célébration 218e fête indépendance pays d'après sa note lundi. Et il a poursuivi pour dire, n'a pas rappelé, d'après ça le dit, c'est une attend symbolique qui est tellement important pour tout haïtien et authentique Fusion qui a parlé toujours que nous ta doué prendre engagement pour nous suspendre jouer avec lui aucun peuple pas jouer avec l'histoire li parce que c'est ça qui définit demain nation
d'autres visions qui ont poursuivre toujours, il dit Jacques criminel ça, révolté conscience patriotique. Nous, parti en mandé, faut qu'en toute force police, à toute force justice dans le pays, et fait un seul pour traquer criminel à tout acolyte sans foi ni loi qui impliqué dans Jacques ça, et code pénal pays en relé crime. Contre la sûreté intérieure de l'État, et toujours fusion qu'a parlé, faut que tout le monde et ça yo répond devant juge naturel yo, parti en exprimer solidarité avec le premier ministre Ariel Henry et puis avec membre délégation officielle là. N'a déploré attentat ça qui la cause la mort yon citoyen ak l'autre victime. Fusion Koubel bien bas devant cadavre et citoyen ça et puis présenter condoléances by famini zamini et puis ak toute population la Tibonite là. Toujours Fusion k'ap pale, nous apprécier volonté premier ministre manifester pour continuer dialoguer à tout secteur et puis inviter secteur ça yo et nan participer nan bataille contre insécurité. Fusion a lancé un appel by tout moun et qui vle wè yon changement nan pays d'Haïti nan année 2022 a pour yo vini chita ak moun ki nan accord 11 septembre nan tankou Fusion pour élargir consensus nan ka permettre nou fè couper fâché ak ancien système nan et tout bon vrai ak vie pratique chien manger chien et ça et pour refonder nation et puis aller nan bon jan élection pour permettre peuple choisi libre et libre moun livlé mette nan tête pays a Fusion souhaité année 2022 a année 2022 ça cap passé et li souhaité pour année 2022 a et cap passé et capable passer dans l'histoire comme année tout haïtien te décidé mette tête yo ensemble tant que ancêtres nous ont fait ça pour nous sortir pays papa Dessalines qui était pour nous dans mal cité Haïti pas péri et nous doué et puis nous ca changer ça vive Haïti. Voilà, c'est notre Fusion. Ça, vous voyez, nous connaissons dans direction Fusion, c'est ancienne sénatrice Edmond Suplice Bozil, mais tout ingénieur Rosemont Pradel, qui vient ministre en travaux publics dans le gouvernement Ariel Henry, c'est ancienne opposition qui intégrait pouvoir avec secteur démocratique, avec populaire, et une unité, et vérité, une partie dans vérité, une partie dans unité, et puis ensemble nous fois toutes ces fait partie de l'ancienne opposition qui intégrait et pouvoir Ariel Henry a dirigé et dans délégation officielle là t'as numéro 2 Fusion ingénieur Rosemont Pradel qui t'a accompagné Ariel Henry dans Gonaïve. Fusion qui parlait de Kaba insécurité, nous connaît gouvernement ça il y a un mois déjà, pourquoi j'aime faire rien quitte c'est pour question insécurité, quitte c'est pour question insalubrité, quitte c'est pour question la misère grand goût, rien du tout jusqu'à présent. La fois premier campé. Chaque fois nous partager histoire nous comme peuple, nous honorer mémoire. À côté oui, tout ça tout qui a recevoir sous plateforme intelligente. 5 à 15 minutes dans studio Bertrand Pierre-Louis, n'a pas retourné sous plan international mais dans région et côté dans pays Colombie et généralement en Amérique latine sur réseaux sociaux là vous parlez de Mario Palacios y Palacios qui c'est un ancien militaire officier dans l'armée colombienne non et qui gagne gros accusation mercenaire et sous tête dans ça qui concernait assassinat Jovenel Moïse non. Selon information sa yo et yo fait qu'on ait arrêté monsieur dans pays Panama côté il était en transit pour le aller dans pays après et pays Jamaïque extradé Jamaïque qui pas répondre demande extradition gouvernement haïtien concernant assassinat et implication
et Mario Palacios dans l'assassinat Jovenel Moïse et dans la nuit 7 juillet et la Kaidi et dans Pèlerin 5. Selon autorité jamaïcaine, pas gagné preuve de accusation ça. C'est pour ça qu'il a quitté le parti pour aller à la Kaili. Et c'est pendant la route qu'il prend la Kaili. Interpol a arrêté les remettre les bail pays États-Unis. D'après informations, diverses informations qui circulaient. Et non, sans ça, ancien militaire livré par autorité américaine. Et parce qu'il a gagné un mandat Interpol, c'est à d'état dans cadre yon dossier qui t'a concerné américain. Bon, il pas clair si c'est toujours dans dossier Jovenel Moïse dans selon plusieurs informations qui circulaient en Amérique latine nan. Donc monsieur il t'est gagné pour t'est aller dans pays et Colombie et Jamaïque t'est expulsé hier et pour t'est aller dans pays et yo capturé à cause d'y entrer illégalement. À partir de République dominicaine, il est entré illégalement. Il est entré illégalement dans le pays Jamaïque. Donc, Colombien ça, et accusation gain contre en Haïti, il a impliqué lui-même à 18 autres Colombiens dans l'assassinat Jovenel Moïse qui était fait dans la date 7 juillet dans le pays d'Haïti. L'autre Colombien est fermé dans prison en Haïti, alors que Palacios était trouvé lui dans le pays la Jamaïque. Et bien que nous pas gagné toute information claire bon côté autorité haïtienne dans ça qui concernait qui j'en démarche ça t'est fait bon côté autorité jamaïcaine pour demander extradition Palacios en Haïti. Est-ce que des traités d'extradition qui existaient entre l'état haïtien et l'état jamaïcain nous pas connaît même j'en tout et est-ce que des traités d'extradition qui existaient entre l'état haïtien avec l'état colombien là tout pas gain trop pour répondre question ça yo soit aspect politique question nous connaît Claude Joseph t'est en pointe dans des marches pour montrer l'a chercher pour bail Jovenel Moïse justice mais dans ça qui concerne successeur qui c'est Ariel Henry il fait des déclarations pour dire livrer pour bail Jovenel Moïse justice d'ailleurs lui-même depuis le paraît et Jovenel est impliqué dans plus haut niveau dans crime non et donc il y a un problème de légitimité pour parler de dossier et assassinat Jovenel Moïse là mais de toute façon pas de sentiment que c'est une priorité et gouvernement non et puis de toute façon son dossier qui gaillé qui très politisé et qui plus que 44 personnes qui dans prison pourtant qu'on pas arrivé faire lien exactement alors que gagné deux gros médias américains qui portaient dossier assassinat Jovenel Moïse dans son autre terrain net qui c'était terrain question et règlement et interne dans secteur tête calé à même qui parlait de question drogue donc son dossier pas gagné monde qui est clair la donne. Et bon, et de toute façon, Palacios, ça t'a nommé autorité américaine. Nan moment, on a parlé là, et concernant arrestation qui fait dans le pays Panama pendant le tenant route pour aller la Kaili dans le pays Colombie. N'a pas vini la Kaili pa nou et dans le dossier politique qui pral gen rebondissement. Avant longtemps, parce que gagné un dossier et mandat et 10 derniers sénateurs, mais tout, et gagné un autre dossier qui concerne Ariel Henry. Est-ce que l'a fini mandat Jovenel Moïse pour certains monde là de Bogan qui pas même gêné, même pour faire un vivement spectaculaire, qui t'a dit mandat Jovenel Moïse t'est fini 7 février 2021, et je ne dis qu'à parler de et Ariel Henry mandat pral fini, parce que c'est fini, t'a fini mandat, et dans le cadre de situation mêlée au gain en pays d'Haïti, t'a fini mandat Jovenel Moïse, donc qui aboute 7 février 2022. D'abord, gain dans secteur opposition, nous connaissons bon parti la donne qui jambé dans classe politique dans cadre Jovenel Moïse, gon l'autre parti qui inaudible ou presque pas tendé et même situation pour société civile là, gain un parti qui appuyé à Montana mais pas plus passé ça puisque là tout de plus en plus et pas gain rien qui clair dans ça qui concernait qui ça pral passer nan jou ki ap vini la. Mais nous gagnons nan men déclaration qui sont déclarations qui les déclarations engagement pour 1er janvier 2022 certains acteurs qui appuyaient à Montana
et sorti dans gros silence et sonore ça qui gagne dans pays là dans finissement l'année 2021 commencement 2022 à côté pas gagne clair mais ça dit on suivre trace ancêtre nous yo pour nous bâtir un Haïti grand monde tête li 1er janvier 2022 ça fait 218 l'année depuis ancêtre nous yo te cassé chaîne d'esclavage dans une révolution anti-esclavagiste anti-colonialiste anti-raciste malgré moyens yo qui étaient faibles ancêtre nous yo te gagnen et nan main yo et conviction niveau organisation yo ak stratégie yo te permettent yo caler pigro l'armée qui te gagnen sous terre nan moment ça qui c'était l'armée napoléonienne nan l'armée française là ak révolution 1804 là ancêtre nou yo et te quitté pour nous un pays qui grand monde tête li mais révolution liberté bien-être là était commencé prend soufflette et marassa depuis dans assassinat papa nation Jean-Jacques Dessalines 2 ans après révolution et passé prend dette l'indépendance non pour arriver dans première occupation américain et dans pays d'Haïti qui était commencé officiellement dans date 28 juillet 1915 sorti sous Christophe Colomb passé dans colonisation esclavagiste pour arriver dans domination américaine qui continue jour journée jodia puissance européenne yo ak impérialiste américain pas jamais suspendre priger et force en travail nou yo et puis piller richesse nou gagnent en hauteur en bataille ak en balanmè. Depuis nan moment occupation 1915 nan pour arriver jour journée jodi a pays a en bas contrôle impérialiste américain c'est notre cap poursuivre toujours c'est impérialiste qui coupe raché soit directement au sinon en bas couverture Nations Unies c'est impérialiste américain qui wete mette président dans tête pays a et quitte c'est dans élection quitte c'est dans coup d'état quitte c'est dans transition continuité journée jodia domination impérialiste américain ak bourgeoisie piagène toujours cité notre là mette pays a tête en bas insécurité ak kidnapping d'état grand gros chômage ak corruption ap taye banda seulement dans l'année 2021 mafia locale ak internationale yo toujours notre k ap parler servi à gang yo qui se bras armé yo pour kidnapper plus passé 1000 moun et même droit pour moun circuler et à échapper dans main nous et diaspora pas qu'à entrer dans pays moun qui dans capitale là gen gros cœur et sauter tête chargée pour y aller famille qui dans ville provinciaux et l'ilali temps et pour situation ça kaba l'ilali temps et pour c'est nous même peuple haïtien qui choisit moun nou vle pour diriger nous à route nous voulons pour pays nous prendre d'après ça notre langue poursuivre pour dire devant situation malouk ça nous mêmes qui c'est un groupe organisation ak parti politique cap bataille pour une transition coupée fâchée nous prend engagement pour nous continuer bataille pour régime criminel PHTK kaba continuer bataille contre ingérence ak domination étrangère dans pays d'Haïti diplomate américain yo ak Nations Unies doit suspendre choisi moun yo vle mette dans tête l'état dans place peuple haïtien travail pour relancer lutte à partir mois janvier ça contre domination contre dirigeant reste avec contre insécurité grand goût ak chômage bataille pour peuple haïtien joine réparation nommé l'Espagne la France ak États-Unis pour dégâts yo fait dans pays ak richesse nou yo pillé et pour toute raison ça yo nous mandé pour Conseil national transition KNT qui nan accord 30 d'août Montana choisi en 27 février un nouveau président ak un nouveau premier ministre et qui gen assez légitimité pour diriger pays a et puis combattre insécurité grand goût ak chômage notre plan cap continuer pour organisation conséquent qui pa nan trahi lutte peuple haïtien lever camper dans quatre coins pays a pour déchouquer équipe mafia
qui dans tête l'État qui joint support mafia international yo. Peuple qui uni pas jamais perdu bataille à bas transition continuité vive une transition coupée fâchée tout bon alors gagnent 16 organisations qui mettaient non yo en bas notre ça qui gagne 4 dirigeants qui authentifient il ta bon pour entendre non organisation ça est mouvement pour liberté égalité et fraternité tout haïtien molégaf David Oxygène a dirigé Centrale nationale des ouvriers haïtiens CNOA Dominique Saint-Éloi a dirigé combi d'organisation politique syndicale et populaire Josué Mérilien a dirigé tête collective paysan haïtien origine Louis a dirigé alternative socialiste asso Jean Enol Buteau a dirigé la Tibonite campé pour Haïti la Caille Rigo Veluma a dirigé mouvement révolutionnaire pour libération Massio Moe Lim, Nelio Petit Homme, Abdijo, bien fait partie de conseil qui n'en tête rien. Et Confédération Vaudou National International Révolutionnaire, Kavener, et Sami Jean, et c'est une dirigeant, ou bien porte-parole, Combit Haïtien pour Logement Alternatif, Kaila, Renel, et Sanon, et Abdijo, Coalition Chauffeur Moto Légal, KCML, Josnel Civil a dirigé, Femme Voyant qui a lutté pour souveraineté Haïti, Francia Félix a dirigé, ou bien fait partie de dirigeants, Antenne Ouvrier Réginal Gilles a dirigé, et Plateforme Organisation pour Idéal et Bois en Tonnerre, POIBT, UKP, Mon Désir, et c'est une à la tête. Le mouvement et populaire La Koulakay, Kloveski a Gérald Pierre a dirigé ou bien une membre dirigeant yo Racine Makaya Aïda Ferraille Fedner Joseph c'est une et dirigeant yo mouvement masse révolutionnaire MMR et Ronel Jacques c'est une dirigeant alors monde qui authentifié notre là c'est David Oxygène Josué Mérilien Dominique Saint-Éloi et Francia Félix. Nous continuons toujours dans l'actualité politique. Là, y a un débat qui commence à pointer là. C'est question mandat et 10 derniers sénateurs. Sénateur Patrice Dumont rappelait mandat 10 derniers sénateurs a fini janvier 2023, pas janvier 2022. Dans le sens ça, il j'étais l'idée pour lui-même d'être démissionné comme sénateur. Dans l'interview de Radio Kiskeya, sénateur l'Ouest, fait connaître Ariel Henry par une enquête légitimité pour la discuter sous mandat 10 derniers sénateurs. Il fait connaître pouvoir et qui était vrai problème pays hein, et côté que le pas posé du tout pour chita sous question mandat pour le capable satisfaire folie pouvoir et qui gagne dans pouvoir ça de que Ariel Henry a dirigé n'attendez sénateur Patrice Dumont en micro Ketia Jean-Pierre Tello ça qui est plus important moi ouais mon qui occupe pouvoir politique de facto il n'a pas insisté sur lui et dégradation vie générale là en Haïti pas gagne circulation marchandises pas gagne circulation monde et monde mouri tout coup c'était oiseau dans bois tout est tiré, il y a tiré derrière. Et situation générale, ça, c'est vrai, il est sorti dans une crise totale, crise politique et institution politique que la Constitution prévoit, il disparaît, il n'y a pas de vie, donc il n'y a pas de monde qui mettait le KB en vie, il y a tout juste deux trois juges dans le secteur du judiciaire là et puis il y a 10 sénateurs dans le secteur législatif là gagné et gouvernement légal pas un président pas un premier ministre le on mandat ou bon mandat ça veut dire que c'est population qui barou c'est peuple qui barou dit il y a forcément vous dit on sont fermentés. Donc, à partir de ce moment, les gagnants ont temps pour commencer, les gagnants ont temps pour finir, et puis, Montaigne me dit, personnellement, personne n'est pas capable de, après moi, qui l'a pour me chita et qui l'a pour me copier. Moi, dans toute ville, moi, je n'ai jamais perdu conscience de ça. Donc, ça,
à cette monstruosité de un monde qui néglige la sécurité pays pour chercher un petit gloriol et je ne suis pas capable d'aller gonaï moi prêt aller même si mon a mouri alors que c'est pas travail li ça c'est comme un premier ministre qui était passé devant le Parlement, encore plus comme un premier ministre avec 3 millions de guillemets, qui c'est un tweet étranger qui mettait au pouvoir. Donc, il y a un coup, semble-t-il, mais ouais, et bon, on prend le bon rouge, on prend le déposé Jacques-Fleur, et on prend le palais, parce que moi, je vais montrer que moi, c'est président tout, parce que quand même, il y a un monde qui t'a dit que il n'y a pas besoin de président pour rien, mais c'est lui-même qui est président, sous-entendu. Et puis, contre l'autre coup, c'est 1er janvier, Fomal Gounaïve, c'est moi, de Gloriol. Et moi, c'est symbole puissance. Symbole puissance, quand c'est la santé du peuple haïtien, c'est le bonheur du peuple haïtien. Et c'est pas ça qui est en jeu là, malheureusement. Moi, pas capable de laisser un monde ou deux, trois mondes. Et des burlés lus, et c'est monde qui perd du tétio, et que yo prend rêve pour réalité, et puis, comme t'as gagné, et yon attitude conciliante avec eux. Moi, c'est sénateur, jusqu'à dans le deuxième lundi janvier 2023, et puis, voilà, c'est pas, prochainement. Ok, ça veut dire que l'être qui a circulé sur les réseaux sociaux comme quoi ou démissionné, c'est faux. Moi, pas écrit aucune lettre. Moi, vous posez un problème légitimité à Ariel Henry. Effectivement, il y a un problème légitimité. Nous connaissons comment il te fait arriver sous pouvoir. Mais qui soit pensé qui derrière tête Ariel Henry qui fait lui insister à toute équipe li, allié li, pour tirer le Sénat, li parle encore. Il y a un prétexte, il n'y a pas de rien, et nous pas de là encore du tout. Par contre, Ariel Henry a reculé. Je ne connais pas qui sera le collaborateur de la boucle. Je ne connais pas qui sera le ministère de l'Agriculture réglé ou bien le ministère de l'Intérieur ou bien la Primature réglée. Je ne sais pas. Nous sommes en situation de crise totale. Voilà, c'est le sénateur Patrice Dumont qui t'a parlé comme ça dans le micro, Kétia Jean-Pierre Tello. Et puis, débat, puisque si le sénateur Patrice Dumont dit mandat a fini deuxième lundi, mois janvier 2023, ancien sénateur Plateau Central Francisco de la Cruz déclaré deuxième lundi janvier 2022, qui donc semaine prochaine, mandat 10 sénateurs a fini, on doit aller. Selon ancien parlementaire Télia Bagnère OPL, 10 sénateurs sa yo te doué konnen situation ta privé à cause de te accepté pour ancien défunt président Jovenel Moïse pas de faire élection dans date constitution te prévoit. C'est ça le dit dans interview par Radio Kiskeya, ancien sénateur qui dirigeant politique Jeune Jodi a rappelé Jovenel Moïse te doué faire élection dans mois novembre 2017 pour te renouveler un tiers dans Sénat et puis qui t'est élu dans l'élection 2015. Yo. Et docteur de la Cruz, quoi 10 derniers sénateurs ça yo et yo pas doué bénéficier de propre erreur yo. D'après ça le dit c'est illogique si ça t'a fait. Entendez-le dans micro Vilner Joseph. C'est fin 2017, dès fin Jovenel, tu as organisé l'élection. 2018, tu as organisé l'élection. Sénateur là, député là, il n'y a pas aucune mesure pour que les élections aient eu lieu. Mais maintenant, 2019, il y a négocié un bagage avec le sénateur. Il y a dit au poste ministériel, poste direction générale, poste à l'extérieur, et ambassadeur, etc. Ils sont tous d'accord. Et puis après ça, comment elle a mis la main? C'est au même coup là qui parle dans la justice pendant ce temps. Juste là. Il n'y a pas jamais exigé M. Jovenel pour te faire élection. Il y a d'accord pour négocier poste par poste électif qui ont représentativité au niveau départemental, juridictionnel, pour patate. Et puis Jovenel pour te dire bien une farine, une basse farine. Là, les gens qui ont protesté, etc. Moi, je pense que si, normalement, si les gens sont attendus, effectivement, nous avons bien toujours un vide. Maintenant, ça arrive. Automatiquement, tu faut déjà connaître, faut te mettre le bois à la fête, ou tu as subi le même sort que les autres. C'est ça qui fait que, je ne vous dis pas, vous dites, mandat, exactement,
Donc, même gens, ils étaient voués l'autre les gars aller, et mandat négo, exactement, deuxième du mois de janvier, effectivement, il va à terme. Parce que son choix que vous avez fait, c'est que vous avez fait choix ça. Parce que vous avez fait choix ça, vous avez négocié. Ça va, il va négocier vote populaire. Ça va la brûler aujourd'hui. C'est même qui cause ça arrive aujourd'hui à la élection. Nous, novembre 2017, c'était de faire élection. Nous sommes contents. Mais ça qui est arrivé, il a négocié, et puis M. Jovenel pas dit rien. Et puis, just, puisque il a gagné des élus en sa faveur, il a juste quitté le temps passé. Et puis, l'autre sénateur, il n'a pas juste marché au moins, il n'a pas dit rien. Attendez. En sérieux, les barrières de vos postes de responsabilité, pour assumer nous soutenons toute longueur. Parce que là, nous ne pouvons pas responsabilité, nous, ça passe, c'est là. Ou pas de moyen. Couillala, il est trop tard. Il est trop tard. On n'y peut rien, il est trop tard. Qu'est-ce qu'on peut négocier? Personne n'a jamais dit rien, puis on a dit, monsieur Jovenel, on va faire l'élection 2017. Parce que c'était des alliés directs de monsieur Jovenel. Ouais, il était considéré comme allié. Sénateur, accepter de se comporter en ouvrier politique à la sorte d'un président de la République parce que il a gagné des avantages. Maintenant, quoi là, le faire la vie de miel, non, mais on est sérieux, on oublie d'accepter de jeune vie. C'est ça qui est là. Quand on a joué à Takaye, il était élu pour 6 ans. Élu pour 6 ans. Ah, mais on a dit, bon, mais pour qui ça est, même il va demander de sortir en 2017. Pour qui ça était d'accord pour Jovenel, c'est négocier le bagarre avec eux. Parce qu'il va faire élection, il va en dire, et vous connaissez les faire élection. Donc, on est de faire élection. Jovenel montait pas en février. Je viens d'élection élections novembre, toutes les connexions passent en novembre, il y a des élections en fait, non? 2018 passe l'élection en fait, non? Et puis 2021, non? Ah, mais moi, j'ai envie de dire là. Parce que les gens ont déjà, mais ça a passé là, ça pouvait. Est-ce que vous-même, Francisco de la Close, 10 sénateurs, au mandat, va finir deuxième lundi de janvier, cap venir? C'est en fonction des chiens, si vous avez regardé, vous voyez, et pour tout ça. Mais ma parole, c'est qu'on logique des choses. Tant que je ne vais pas regarder si les sénateurs ont le droit de réclamer ou pas, en fonction de leurs intérêts, mais c'est pas qu'il y a pour intérêt pour là. C'est depuis bien avant de barrer, pour te mettre ma voix là, tout le monde te connaît que ça t'est arrivé. Voilà, ancien sénateur Francisco de la Cruz, non micro, Vinel Joseph, sous débat ça, qui apprenche sérieusement, mais qu'on l'autre débat tout qui a venu pour 7 février. Par exemple, on a gagné responsable Racine Tonnel Vaudou haïtien, qui se met Alix Compar, lui estimé gouvernement de facto gagne en tête Dr. Ariel Henry, libre à arriver dans bout de tout. Pour permettre un gouvernement transition à cité sérieux, mener bac pays pour résoudre problème insécurité puis organiser bonne élection. Dirigeant vaudois estimé gouvernement de facto ça qui gagne en tête le docteur Henry et c'est pour lui-même c'est le passé déjà pour pays, c'est un passé présent. N'attendez qu'il te parle comme ça, non micro Vladimir Maurice Ridoé, met Alex Compa. En partie de l'insécurité qui sévit dans le pays, en partie de gang armé qui a fait loi, en partie de bandit qui fait comme bac plein lit, pas comme toujours à moi, y'a pas qu'à fêter, pas qu'à moi, je suis très aimé, ça me s'est kidnappé une partie par là, mon pote qui a pris la oui. Et en autre cas, pas bien questionné, docteur Ariel, c'est fini, oui. Qu'est-ce que ça résout déjà? C'est que, 7 février, que docteur Ariel saute pompé, machin a mette tête, et moi, garanti, 7 février, a bien président, provisoire. Le président provisoire qui a pris le pays, qui a dirigé le pays pendant environ 12 à 18 mois, le président provisoire, ça, c'est une grande de capacité pour chuter avec la couche vive de la nation, pour mettre un CP honnête et crédible, pour qu'elle mette la paix dans le pays. Maintenant, moi, ça fait que je ne vais pas profiter de nos haïtiens. Bonne année, parce que nous toujours dans le pays, parce que depuis que c'est jamais ce santé pour le pouvoir, là, après assassinat créé le président Jovenel, ou ça fait par la prévue, il y a un peu d'inégalité sociale, et bien sûr, pour tout le monde qui va vivre bien dans le pays, mais monsieur, ça y est, pas le peuple à vivre, et bien, tout problème, ça y est. Et bien, je dis, je pense que c'est non combat pour nous continuer, non combat pour nous craser l'inégalité sociale, ça y est, pour tout le monde semble, plus ou moins nous semble, nous capables de vivre, et puis pour tout le monde, c'est vivre mieux, et ça, pour nous capables de continuer à dire, une plate, c'est ensemble pour nous construire le pays, non? Parce que le Ariel pense que 7 février bien là, c'est pas bien compté mal calculé. Bien plus, si tu as parlé comment c'est fait, et même on n'a pas mis le docteur Ariel au corps groupe, il n'y a pas trop de docteur Ariel au corps, non, parce qu'il va avoir un résultat. Au contraire, nous, c'est là, j'ai l'état qui a gaspillé, pas de justice pour personne, et pour laisser au monde, ça, il va dire le nom. Donc, ça, c'est vous, il y a un bon président, que docteur Ariel Pompé,
à le président provisoire, et bien surtout par le premier ministre, qui a pris le pays, et pour que la paix capable de faire dans le pays. Docteur Ariel, pas mal la paix, oui, si on continue à mourir, qui n'a pas évolué plus raide, et puis voilà, qui sécurité, c'est tout côté. Je ne pas seulement tel côté, non, c'est tout côté, et ça t'a pris pendant on a banalisé, monsieur, ça c'est méchant, c'est méchant, mais c'est vraiment Dieu à l'heure corriger. Je dis, si au monde, t'as au moins, où sont juge le ciel, juge le succès dans la juridiction. Mon Dieu, si on est capable de lui du magistrat, mais la scène de vos sortes fait. Si vous avez un jour, je ne m'en ai pas écrit pour lui, ou qu'on peut dire la vous, avec petit, avec la même, et par contre, sécurité pour aucun monde. Donc maintenant, je sais que, enfin, monsieur Sarro, je sais que le dernier jour, c'est 7 février, et je sais que papa vient de cause. Voilà, c'est Maître Alix Compare qui à la tête racine Tonnel Vaudou haïtien. Donc c'est ta vieille maman paré pour Zépina, Zépina paré pour vieille maman. Et Ariel Henry a metté en cause dans mandat dernier 10 sénateurs liés à Calielio et l'autre monde qui campait en face lui, yo même yo metté en cause et lui-même limite parle alors que li dans tête pays a président Ambachal, premier ministre de facto sans mandat ni mission avec en pile ambition chaque jour plus pour occuper plus espace dans pouvoir donc il pas toléré il pas supporté aucun rivalité dans sens ça et l'a libéré tête de tout monde qui t'a metté en travers sur route li donc qui ça pourrait le passer une autre fois encore pays a engagé. Non débat nous pas connait qui ici est pas un autre débat stérile qui va porter fruit et sous des dates magiques tant que deuxième lundi mois de janvier et puis 7 février 2022. En attendant l'insécurité, c'est lui-même qui a mené pour petit gain 5 personnes qui blessé sorti 31 décembre pour arriver 3 janvier 2022 après gagner G9 et ak fami ak allié qui ont l'autre fois encore t'a attaqué zone Belair selon Marc André Alexandre une porte-parole moun nan zone ça et d'après monsieur Alexandre et c'est une décision yo prend pour barrer route Delma 18 là pour venir déboucher sous sans fil et côté la police et demander la police prend responsabilité pour débarrer route Delma 2 a et route masse à toute zone en bas la ville là pour être capable gain circulation qui fait dans zone là sans problème mais c'est pas yo et c'est pas ça yo ouais yo constater plutôt c'est chef dirigeant G9 long Jimmy Cherizé alias Barbecue qui te prend yon vacances depuis après question gaz là ak équipe li qui retourne tabli nan Delma 6 et qui tabli quartier général li et puis qui recommence à tirer sur moun nan rue Maya et qui la cause moun sa yo victime. Marc-André Alexandre déclaré y a tant la police pour venir rideyo débarrer toute zone nan pour moun belè capable almener activité business yo retourner monter descendre en bas la ville gens ça te kon fait en avant G9 te attaqué yo n'attendez Marc-André Alexandre qui te parlait comme ça dans micro Amos Breville. L'autre fois, on était nous débarrer pour la vie qui a répondu. Mais je ne veux dire, pour nous regarder, barbecue tourne l'insistant encore, vient de barrer pression à population. Juste pour nous là, nous-mêmes, nous obligés de barrer ou 18 là, pour pas être en toi, pour la police là, tu as responsabilité, on n'a pas capable de parce que vient tourner, les gars, pédé tirer là. Moun m'a appareil paré, 8 31 décembre, ben ça a commencé, jusqu'à 3 janvier, cartouches démarrer sous petit malaise. Combien de monde qui est victime dans le cas ça? Plus de 5 monde, gont 6 monde 16 ans, qui pond balle en cuisse, gros l'autre grand monde, on grand monde machin manger les pont balle en pied juste malheureuse pas gagné ça a dépassé les bonnes mais l'ordre moi gagne 5 monde qui blessé pas gagne monde qui mort non pas gagne monde grâce à Dieu mais gravement grave m'pas connait pour depuis hier à jodi hein comment état de santé oui parce que m'pas wa fan pour paquet monde qui évacué tout qui évacué qui a juste là souterrain père et là grand paquet monde qui là aller oui je retourner parce que yo pas vivre là parce que là les barbecue a tiré à colonne de masse nèg yo sur ton petit chef là avec petit junior s'écraser elle dit nèg vinn un système de répression yo pas respecter personne même si moun pa Paris, nous obligés de faire annonce avec le chef de la police. Nous dit prends responsabilité, prends belle en main. Justement, nous voulons belle débarrer, nous besoin la peine. Nous ne pouvons pas jouer, c'est pour mettre sur pour mettre. Ouais, là, on est derrière le perpétuel. Dès que vous antenne, ça veut dire antenne pour la police de Cavini. Sur le Charles, lui, bluffé, sur le Charles, bluffé, vous mettez antenne pour la police de Cavini, n'a pas grand-chose de faire. Toujours même plan. Belle cible plus de 4 massacres, ok, différentes attaques. Depuis le 31 décembre, c'est attaque jusqu'à jeudi, je dis. 4 janvier, c'est dit, on dit, à monter là, où toute population arrêtée en débascaille. Ou après, là, il y a un petit
gens chauffer ou après tout maya moun a couri a bay sous tête yo pralé c'est ça montre cette situation pas capable nous pas capable encore fini les je le dis pas gros moun qui parle dehors pas tenter les jambes les pas venir non non moun qui là a couri moun maya a couri moun belle a couri à l'autre côté al kaizan yo mais pas jambe ka vinn là il y a près tant de fléau a fin passé chef de la police a prend destin pays en main prend belle en main nous même nous bien là pour la police nous collaborer avec la police nous pas jambe de problème à la police nous pas jambe de problème à la police à nos jours pas me fait arrêter il a dit sous prétexte à nos jours pas ça traîne nous famille nous et vous êtes le chef de la police a prend ba ça en main parce que nex pas dans renal couteau nex pas en dans prison toujours les gars avec son Alexandre mais Jean Maxime toujours être en prison renal couteau toujours être en prison non ça va de faire et vous demandez libération pressée pour renal couteau libération pressée pour Jean Maxime j'ai passé un an depuis nous comme ça moi j'ai frère nous trouver ça triste même moi père répéter mon ça passé 10 ans ça moi 10 ans sous passé 10 ans matin ça nous pas jamais nous poser présence la police qui vient dit nous juste je dis nous t'apprêtons à chef de la police nouveau chef de la qui fait monter là nous pour jamais de monsieur tiens allez voilà au monde même nous obligé camper à la défensive nous obligé camper pour ça mais nous connaissons pas quand même bon bon je lance la maman perpétuelle nous connaît la vini quand même pas n'importe qui façon ça veut dire nous qui c'est monde Berlin et c'est Marc André Alexandre qui t'a parlé comme ça dans nom monde Berlin dans micro Amos Breville côté violence gang G9 là retourner encore dans finissement année 2021 commencement année 2022 à bilan gain 5 monde qui blessé pour pipiti. Et puis à cause situation insécurité qui blaye généralement dans zone en bas d'Elma côté zam par contre pas suspend chanter maternité Isaïe Gentil que tout peuple arrive l'hôpital Chancerel et pas qu'à fonctionner normalement d'après directeur médical l'hôpital ça qui t'a pas la crade de Kiskeya docteur Chantal Sauveur Junior Datus il fait qu'on est personnel là même gens ak malade yo gan pile difficulté pour fréquenter l'hôpital là qui c'est un hôpital pour femmes maternité et depuis week-end passé tension reblaye encore pire dans zone là et demander la police fait intervention pressée et demander si la yo qui a troqué con font camper une façon pour femmes enceintes qui besoin la soya qui besoin accoucher capable gain possibilité pour aller à l'hôpital Chancerel n'attendre directeur médical maternité Isaïe Gentil l'hôpital Chancerel et docteur Sauveur Dati Junior qui te parlé comme ça dans micro Hervé Noël actuellement maternité Isaïe Gentil l'a fonctionné quoi que c'est au ralenti par rapport avec conjoncture situation insécurité hein, parce que tout au cours de début année à là déjà gain laissé frapper cap fait gain gros coup de balle cap tiré mais ça pas empêché que n'a pas fonctionné et comme ça se peut au rabais au ralenti parce que on connaît mon riverain yo pour une patient yo une prendre soin yo et même personnel là tout pour une hôpital là yo il y a pris un cas quoi yo mais c'est comme la coutume sauf que nous t'a mandé pour nous t'a pour force de l'audio et puis si là tout cap tirer yo pour yo comprendre que l'hôpital là c'est pour yo font effort pour yo font effort pour yo quitter l'hôpital là fonctionner parce que femme enceinte yo pas gain côté pour y aller tout l'autre côté gain problème mais chancel toujours fait des efforts pour toujours mettre les disponibles, disposer autant que nous capables, dirigeants capables pour nous offrir population en soins de santé. Puis gros problème là, c'est ça qui fait nous fonctionner un peu au ralenti, c'est-à-dire manquer fréquentation. Personnel là, au rabais, même avec tout l'autre monde, que ce soit malade, que ce soit parent malade, monde qui doit accompagner maladio. Donc tout le monde a fait la dernière fois nous-mêmes l'hôpital là un peu de fois c'était nous nous pas gain l'autre choix que fermer porte pour nous capable éviter le pire c'est-à-dire pour nous pas gain des monde qui atteignent par projectile parce que certainement yo pas qu'on viser l'hôpital là directement mais quand même yo qu'on tellement proche l'hôpital là et bien atmosphère qu'on pas propice pour nous ou quitter mon travail et pour être capable de prendre soin de mon comme ça doit. C'est peut-être ça l'hôpital là. Tout carrément, licencié qu'on ferme tête li parce que zone même agit sous nous et nous pas gain le choix sinon que pour nous protéger, pour nous éviter le pire, comme moi dis, oh, obligé de fermer. Mais c'est pas un bagage nous faire de tout cœur, de bon cœur, nous fermer parce qu'il y a gain tiré. Même les gentils nous pas fonctionner mais les bagages à trois raids nous obligés camper des zones d'Elma 2 d'Elma 6 de tout quartier ça yo d'Elma 4 eh bien et cette zone Chancerel desservie toute à heure de journée et de la nuit automatiquement zone ça yo ça fait que population qui doit descendre venir eh bien li obligé pas descendre et tout ça pour là
influencé négativement fonctionnement de l'hôpital là parce que fonctionnement dépend de présence médecin et personnel là, infirmiers et tout le personnel administratif yo, avec présence maladie et si pas gain malade eh bien ou bien médecin pas ka vini infirmière pas ka vini les autres et pas ka vini eh bien l'hôpital là affecté quand même donc depuis Badelma affecté nous même tout n'a pas affecté correctement. Voilà, c'est directeur médical l'hôpital Isaïe Gentil, maternité Chancerel, et qui c'est docteur Chantal Sauveur Junior Datus, sous problème insécurité, impact les conséquences sur le fonctionnement de l'hôpital là, pour maladie, femme enceinte, avec monde qui travaille dans l'hôpital là, il t'a parlé dans le micro Hervé Noël. L'autre coup de pied d'actualité internationale là, c'est un record pays Mexique bat Anessa, alors Mexicains qui vivent dans la diaspora, particulièrement dans le pays États-Unis, ont battu un record absolu pour payer, ont transféré 50 milliards de dollars Anessa, année qui s'est finie là, 2021, dans le pays, d'après sa banque centrale, dans le pays Mexique, fait qu'on est dans le chiffre, ils baillent. Et ils ont considéré ces chiffres journéens, valait l'argent mexicain yo qui dans diaspora environ 12 millions officiellement dans pays États-Unis et plus que ça il y a pas de sac légal yo et voyez bay famille yo pendant toute année 2021 ça les remessas là ou bay proche yo qui était mon akayo famille direct ou bien famille loin et d'après ça responsable yo fait qui soulager en pile économie mexicaine nan année sa banque centrale mexicain Bansico publié hier lundi 3 janvier dernier chiffre concernant remessage qui s'est transfert mexicain offert et voyez by famille et principalement nous connaît diaspora li en pile diaspora mexicaine dans le pays États-Unis côté officiellement yo recensé 12 millions à vivre pour seul mois novembre 2021 remessage été fait transfert est arrivé 4.6 milliards de dollars et ça selon un journal qui paraît chaque jour Millennio qui augmentait de 37,7% par rapport à même mois ça dans l'année 2020. En moyenne, pour moi, novembre, nous avons considéré les migrants, ça comme si chaque Mexicain qui a vécu à l'étranger, dans le pays États-Unis particulièrement, a voué 401 dollars et vous voyez dans le pays pour moi, novembre seulement. Vous n'avez jamais constaté augmentation ça depuis 20 ans. Et, mais, gain mieux. Dans le finissement année 2021, en tout, et diaspora mexicaine a transféré dans le pays 50 milliards de dollars, qui bat une augmentation de 25% par rapport à l'année 2021, qui établit un nouveau record, record historique dans ce qui concerne transfert, remessas mexicain envoyé la caillou. En fait, en dernier donné, mois novembre, montre que Mexique a déjà franchi étape ça, et pour, sous une année, pour et gen tout transfert ça qui fait dans pays hein Jean sur compte Twitter Jonathan Heath qui c'est vice-gouverneur banque centrale l'a précisé valait l'argent dans 12 mois remessas et de 2020 à 2021 dépasse pour la première fois 50 milliards de dollars la fond de campé. Tranche journal ça c'est mais on a retourné dans l'actualité internationale là côté nous voulons parler de doyenne l'humanité qui c'est une japonaise Ken Tanaka et qui fêtait 119 ans dans le pays Japon dimanche qui s'est passé là il considéré comme monde qui pi grand monde qui existait sur planète là doyenne l'humanité Ken ou bien Ken Tanaka lui fêtait dimanche 119 ans depuis il existait sur planète là bon c'est un privilège extraordinaire moun ki gen 3 chiffres nan kouè madame Odette Wafonbo et ki gen 3 chiffres ben tout pou tete 2 gen ou bien 1 ou seul chiffre ou bien bon 1 an 2 ans 3 ans mais debout rive nan 10 ans tete 2 chiffres japonais sa c'est moun yo considéré ki pi âgé ki existe sur planète là depuis l'année 2019 et li entré nan livre Guinness record et depuis datsa d'après sa journal Le Figaro en France rapporté en 2020 datsa te gagnait 117 ans à 261 jours et Ken Tanaka te bat déjà record moun et au Japon qui te pi vive pi longtemps d'après ça journal britannique The Guardian rapporté mais te gen Emilio Duanes Duvarcer
nous sommes une équipe d'origine haïtienne qui sont cubains, ils étaient considérés comme doyens de l'humanité dans le pays Cuba. Ils mourent dans le mois de juin 2021 à l'âge 120 ans. Mais gros problème, ils étaient sortis en Haïti à l'âge 10 ans, ils n'ont pas jamais arrivé, ils ont un vrai document pour attester vrai l'âge ni, ils n'ont pas jamais entré dans le livre record de l'humanité, Guinness. Mais dans le pays Cuba, ils ont toujours considéré que 120 ans, l'elle mourit. Mais il n'est pas jamais arrivé, il n'est pas jamais certifié sous plan international là et ça. Et ça fait Kentanaka, et je ne veux dire, c'est lié mieux considéré comme doyenne de l'humanité. Là, vive dans une maison retraite dans le sud-ouest pays Japon. Lui dit, livré pour le Québec, dit comme doyenne de l'humanité. Et pour le fêter 120 ans l'année prochaine, il y a 119. Quoi est là, selon les médias japonais, qui fait gros titre avec l'événement ça, et qui en même temps tout parle de vieillissement de la population japonaise, non, qui vient en troisième puissance économique mondiale derrière les États-Unis et la Chine. Pendant longtemps, il était deuxième, il était devant l'Allemagne, toujours devant l'Allemagne, qui est la première puissance économique européenne. Alors, Japon, troisième comme puissance industrielle, il fait partie de G7, pays totalement développé. Mais valeur monde qui gagne 100 ans, pays Japon augmenté. Dans l'année 2021, ministère santé publique dans le pays, ça, tu parlé de 86 000 510 Japonais et Japonaises qui ont gagné plus que 100 ans, 100 ans et plus. Et ils ont augmenté 6060 en plus et jusqu'à 2019. Ils ont augmenté en 2021, 6060 en plus. Et ils ont pays un pays qui a plus de monde qui gagne l'AISA, 100 ans et plus. Mais plus fort là-dedans, c'est femme. Et monsieur pas arrivé dans l'AISA, généralement c'est mesdames yo, et mesdames yo tout plus veuve qui gagne c'est mesdames yo. Elle dit monsieur mouri plus bonheur que mesdames yo, un phénomène beaucoup expliqué. Après presque 30% de population japonaise en général, il y a plus que 65 ans, donc son pays qui a grand monde et qui non vieillissement total capital qui peut avoir gros impact sous pays. Et puisque valet ti moun ki ap fèt yo en baisse et gen moins ti moun ki fèt nan pays Japon, gen plus moun ka pran l'âge nan pays ça. Japon capable même perdu valet habitant gen valet moun li gen nan année ki ap vini la yo. Selon projection autorité ou fè, Japonais yo capable réduit, yo capable sorti de 126 millions yo yé. Dernier chiffre est en 2019, 126 millions, yo capable tomber dans une année 2060 à 87 millions. Donc, au point de vue démographique, Japon, son pays qui menace, il fait moins de monde et il gagne plus de monde qu'à grand monde. En tout cas, doyenne l'humanité, c'est la caillolier, il fait dimanche 119 ans. N'a pas venu la caille pas nous. La Kaipa nous nou pralé en province avec correspondant nous on a retourné dans département la Tibonite non et débadeur broker machin pépé dans Saint-Marc tout est manifesté colère sur waf Saint-Marc long et jodi a pour critiquer premier ministre gouvernement de facto Ariel Henry je dis qu'il continue à arrêter ancien gouvernement Jovenel Moïse Jouté prend et pour te interdire qu'on tenait débarquer sous Waf et Saint-Maclan et moi qui t'a manifesté yo fait connaître et je dis à yo font première démonstration mais yo capable bloquer Waf là pour empêcher bateau débarquer et n'attendez 1100 Madeis correspondant nous dans Balatibonite pour plus de détails. Gros mouvement levé campé organisé sous Waf Saint-Marc 4 janvier 2022 à cause autorité yo empêché bateau débarquer conteneur sous Waf la. Waf la qui te gen tan envahi ak moun mandé juste qu'il est y a suspend fait malheur soufri nan pre décision tête en bas. Protestataire yo fait konnen depuis yo pa kite conteneur débarquer en quelle machine pas débarquer et puis il a bloqué toute activité sous Waf la Jean yo capable parce que ou même toujours fait déclaration de notre peuple pour mais nous pas encore notre peuple nous encore dans oligarque corrompus notre voleur cap criminel monde cap bracher monde n'importe quoi cap tout faire monde nous même dans ville Saint-Marc
nous voyons un message clair là où. Si contenez la bataille, nous allons gâter. Mais contenez la fin de la semaine, nous ne devons ni contenez ni machine. Parce que nous ne pas souffrir encore nous-mêmes. Nous souffrons trop. Nous-mêmes, nous vivons nous souffrons trop. Et c'est pas que les mêmes c'est qui représente le département. Même si nous sommes chef lieu, mais c'est pas que les mêmes sont clés dans le département. L'OSM c'est pas souffrir comme ça, c'est tout le département en entier. Pour moi, il y a un sénateur qui est venu là, qui est venu là, lui-même en personne, qui est venu à bouler. Nous avons fait pour nous, côté lui, qui a boulé nous dans la farine. Comment faire mon appui venu là avec charge? La nuit à Guan est débarqué. La flèche a débarqué Gonaï. Comment faire là pour le bâtiment venir à 30 secondes de l'air? C'est pas le débarqué. Débadé, broker, tu machin dit, yo, web. Payé Mariel Henry a continué dans la main ligne avec l'ancien président Jovenel Moïse. Pendant qu'il a ajouté pour dire, yo, pensez, punition ça pour empêcher le conteneur débarqué sous WAP CEMAC, t'as fini après la mort ancien président. Balati Bonit CEMAC. Milsan Madeus, qui est-ce qu'il y a? Toujours en province, nous parlons de Gredos, la police dans le département ça a présenté bilan opération. Les menés pendant l'année 2021, dans un point de presse, c'était hier. Porte-parole police dans le département Gredos, inspecteur Alex Le Gagnon, renouvelé engagement la police dans l'idée pour l'arrêt de guidons dans le corps bandit qui a simé la trouble dans la population. Côté remercier la population Gredos 13 ans pour aider l'idée au bail la police et puis demander de continuer à collaborer avec la police. Charles-Emile Joassin pour plus de détails. La police nationale dans la région Grand Est dressé un bilan de travail réalisé sorti mois de janvier, rivé 31 décembre 2021. Dans un point de presse, journée lundi 3 janvier 2022. Porte-parole PNH Grand Est, inspecteur Alex Teganier, fait état de différentes interventions. La police opérée dans 14 communes département qui totalisait 521 arrestations qui repartit 208 mandats et 313 en flagrance. 313 l'autre en flagrant. Ça y est, comme ça. Tentative d'assassinat, 30, abus de confiance, 6, association malfaiteur, 33, circuler sans pièce d'identité. 11, enlèvement. 22, sortie de maison. 4, prestation de champ. 5, pillage de convoi humanitaire. 3, de personnes arrêtées, opérées pour détention illégale. 7, prochain. 15, 7, 5, outrage à la magistrature. 4, escroquerie. 12, la justice. 14, refus d'obtempérer. 1, trouble à l'ordre public. 16, viol et complicité de viol. 56, voie de fait simple. 101, violation de domicile. 3, usage de faux billets. 1, vol. 89, ça donne un total de 520. Porte-parole PNH Grand Est, inspecteur Alex Le Gagnon, dans le nom directeur départemental, là, Louis-Paul Ménard, profite pour remercier la population Grand Est pour support envers la police qui a mené une série d'opérations pendant pour toujours qu'elle ait étroite relation avec la police pour aider à combattre les actes banditistes qui voulaient prendre pied. Chaque jour, surtout dans zone circulée, qui recule. Dans le département de Gandassa. Charles Émile Joassin, Radio Kiskeya, Jérémy. Merci. N'a pas venu dans Port-au-Prince. Toujours concernant la conjoncture politique, là, une note pour la presse pour soutenir Akomontana. C'est organisation, il y aurait des groupes de recherche, d'intervention en développement et en éducation GRID, qui fait qu'on est bureau suivi à Akomontana à préparer une feuille de route qui c'est un outil capital pour gouvernement transition. D'après ça, et organisation annoncée feuille de route ça, li gagnent commande d'après ça le dit société a fait gouvernement ça depuis avant d'arriver sous pouvoir en parlant de gouvernement transition cap société na Akomontana et c'est li tout qui servi référence pour
Gan contrôle transition OKT évaluer performance gouvernement grid quoi feuille de route ça tabli une différence fondamentale entre accord Montana ak l'autre accord yo qui pas tracé aucun chemin pour instance cap gagner pour gérer transition grid rentrer dans dynamique Montana d'après ça le dit parce que li quoi gouvernement transition coupé fâché a capable freiner une série mauvaise pratique et cap faibli collectivité autant coup détournement chaque année plus passer 3 milliards gourdes qui bail 30 millions de dollars américains qui ramassé pour collectivité territoriale et pour sous chèque employé public coup privé mette sous quelques autres taxes pour deux dernières années ça yo gouvernement Jovenel Moïse qui a gouvernement vini et remplacer là détourné 6 milliards gourdes selon Grid, ça va 60 millions de dollars américains qui la cause pire formé Rio doit employer jusqu'à 24 mois salaire, ça qui explique pour qui ça pays a couvri ak fatra comme ça après explication Grid. Grid dit pas entrer dans dynamique accord Montana pour m'amener soit dirigeant le joint job mais plutôt supporter cahier de charges collectivité yo dans feuille de route gouvernement transition feuille de route transition ta doué non seulement réclamer un audit fonds gestion collectivité yo de quoi pour moun qui détourne plus passer 60 millions de dollars américains ça yo remettre comme ça mais tout exiger pour gouvernement transition publier budget fonds gestion collectivité yo dans annexe budget national là depuis dans premier année transition feuille de route ça c'est toujours grid qui a parlé te doit exiger tout pour c'est pas masse moun qui pi pauvre yo qui a financé 75% dans budget national là pendant moun qui gagne plus moyen yo financé seulement 25% malgré budget pays a reposé sous deux masses populaires budget national là pas prévoit une goutte pour collectivité yo bay service minimum tant que l'eau potable éducation santé hygiène et la trier c'est ça fait feuille de route gouvernement transition ta doit prévoir pour budget national là réserver 20% au moins dans dépenses à investissement public yo pour passer par commune yo et puis pour l'argent qui pral dans chaque commune yo et gagne 140 ans qui gagne commune en tout qui gagne pour paraître dans budget décentralisé ça et c'est seule façon pour pays à sortir dans budget criminel là pour entrer dans un budget progrès avec la vie meilleure selon grid qui a appuyé encore Montana feuille de route transition ta doit exiger pour fonds national éducation un budget qui publié dans annexe budget national là et puis pour budget fonds national éducation prévoit qui portion plutôt dans revenu ça qui pral dépenser dans commune ak dans section communale parce que l'éducation c'est responsabilité qui partagée entre l'état central ak collectivité territoriale yo et même revendication ça valable tout pour fonds pour réparer route faire grâce à accord Montana grid k'ap pale et quoi gouvernement transition coupé fâché a capable poser quelques bases en ken l'autre gouvernement pas capable craser sans population pas parti à bord gouvernement ça. Alors, il fait plusieurs recommandations. Grid t'a souhaité pour quelques autres organisations, tant que CUSM, ou soit GAD, t'a préparé pressé, et grand ligne, yon cahier de charge pour aménagement territoire et développement, et puis remettre by bureau suivi à Montana. Grid lance tout yon appel public by collège ingénieur architecte haïtien yo et pour faire même genre nan préparation ligne yon cahier de charge et sous logement social ak formation et formalisation terrain ak kay nan quartier populaire yo pour rider gouvernement dans côté Gambidoville transition mette base yon politique logement social et puis permettre moun pauvre yo valoriser bien yo pour yo bénéficier crédit la banque pour yo investi grid voye même appel ça tout by professionnel la santé yo ak organisation qui représenté dans AMH
et SPI et la trier pour préparer grand ligne une proposition et cahier de charge pour santé publique pour gouvernement transition commencer faire expérience une politique soins santé en bénéfice toute population les trois infirmières et jeunes docteurs qui pas travaille et pour 570 sections communales nous yo pas même gagner un centre premier soin. Feuille de route gouvernement transition doit exiger l'ouvrir chantier ça selon GRID. GRID voyez, nous appel by université tant université Kiskeya qui en pile travail recherche yo fait sous problématique qui a bouleversé bill pays a tant que sécurité corruption injustice fraude dans élection et la trier pour partager conclusion travail ça yo à bureau suivi à Comontana pour enrichir réflexion yo qui déjà a réflexion déjà fait. GRID voyez tout yon appel by enseignant association enseignant yo pour yo faire même gens bon côté pa yo. GRID voyez même appel ça tout by tout l'autre secteur ou soit corporation pour yo vinn participer nan travail pour enrichir feuille de route gouvernement transition coupé fâché a qui yo té déjà signé accord Montana qui yo poko. Excusez, réforme budget national, là, décentralisation, politique développement local et financement local, ces domaines, contribution par GRID pour aider peuple haïtien coupé fâché avec incompétence, mauvaise foi, qui gagne en façon dirigeant nous yo, à gérer pays a et puis Jean y a maltraité masse peuple qui dans collectivité yo gè plusieurs autres secteurs et organisations qui ta doit offrir contribution pa yo pour enrichir feuille de route bureau suivi à Comontana à préparer d'après sa grille recommandé. À Comontana, c'est pas yon dynamique côté moun a vini chercher avantage d'après sa GRID affirmé, c'est un travail patriotique, yon construction chaque jour côté chaque citoyen à chaque institution qui gen souci bien-être et population capable poser yon bloc au soir bail yon coup de tiwel. Unité n'a chercher a, c'est pas nan partager gâteau pouvoir. C'est dans construction un autre système gestion l'État. C'est André Lafontaine-Joseph, coordonnateur qui signe, Patrice Cadet, secrétaire général, à Grégory Charles, membre GRID, qui fait partie de Accord Montana. Alors, ce n'est pas Accord qui parlait en tant que tel, mais c'est GRID qui fait suggestion ça. Non, actualité internationale là, un phénomène tellement rare que l'hôpital côté au fait là jugé bon pour voir nouvelle là dans toute la presse dans pays États-Unis et dans le monde entier, deux marasas qui fait dans deux années différentes. Et yo gen yon année de décalage entre yo, une fête en 2021, l'autre la fête en 2022. Yon année séparé deux moun qui fait même jour qui sorti dans même vote et ça passé dans la nuit 31 décembre pour arriver 1er janvier nan yon centre médical qui pote non qui est le Natividad Medical Center dans Salinas dans Californie et c'est extraordinaire deux jumeaux de Marasa et qui fait sous deux années différentes d'après ça plusieurs médias américains la Fox News rapporté Fatima Madrigal qui a vive Greenfield en Californie, lui a accouché Alfredo Antonio Trujillo à 23h45, elle dit 11h45 31 décembre, 15 minutes avant 1er janvier et 2021 et 15 minutes après ça, eh bien, lui a accouché deuxième petit bébé qui était dans votre terre dans salle en 1er janvier 2022 et deuxième petit monde c'est Aileen Yolanda Trujillo et qui c'est une petite fille fois ça un petit fille un petit garçon et toujours des faux jumeaux généralement dans situation insolite ça et l'hôpital là estimé c'est une chance sur 2 millions seulement pour un événement comme ça capable arriver fait et il décidé rendre information publique et publier photo jumeaux. C'est extraordinaire, c'est fou pour nous dire que deux petits bonsaïs c'est jumeaux, mais pas jamais fêter fête yo
même jour. C'est ça, maman a déclaré, maman a déjà gagné 3 timoun. Et moi, j'étais saisi et en même temps, moi, content de ce que j'ai fait à minuit et d'après sa maman, déclaré concernant Tifil. C'est un accouchement qui, pi, nous ne pouvons pas oublier, qui a entré dans l'histoire, carrière. C'est ça, nous communiqué, docteur Anna Abril Arias déclaré. C'était un véritable plaisir pour nous aider deux timoun ça au fait. Une en 2021, l'autre là en 2022. Il dit c'est incroyable, Jean que famille ça et commencer à néa à deux barassins qui pas fait même chose. Et puis nous pour aller parler de situation la rue Port-au-Prince, particulièrement pas Port-au-Prince, on a parlé de route à aéroport international et Kafourita, Kafou Fleurio. On paquet tout dans la rue, bon, ça, on ne pas bien parler de Fatra, parce que Fatra, yo, c'est boule à boule tout partout, même dans route aéroport. Dans route aéroport, il y a boule Fatra. Et chauffeur machine, il y a des ministères de travaux publics, pas dire rien, ministère de santé publique, pas dire rien, ministère environnement, pas dire rien, motocyclette, mon à pied, tout à plein pour mauvais état, plusieurs tronçons route dans la capitale là, particulièrement route aéroport, Kafourita, Kafou Fleurio. Il y a une équipe radio télé qui se à pencher sous situation sa journée jeudi, à parler avec plusieurs citoyens qui ont peine activité trafic, yo, ça qui habitué dans route sa yo, moun qui était dans zone nan, qui a fait face à problème nan, et route qui crase poussière, qui envahit yo, et sans compter, pas de signalisation pour contrôler la circulation, non, route aéroport international. Yo mande autorité yo voyager dans ça qui concerne environnement aéroport, trafic machine, motocyclette, qui a fait dans zone table. Bas dans notre Cressine et puis à route aéroport international là un reportage Hervé Noël. Dans Kafou Fleurio, chauffeur machine motocyclette obligé à prendre passager yo dans mitan yon vent poussière ça crété dans ville Patra qui fait bouler bon la rue a. Situation ça c'est résultat problème entretien boulevard 15 octobre là qui pas fait et qui la cause yon bon parti dans route la craser porte ça va nous désoler. Le chauffeur motocyclette dénoncé comportement responsable ta yo. C'est bon Aristide la même bon ancien président nous là même puis mal même là pas bon même mais en tant que on devant ca un gros président comme ça messieurs là m'a regarder bagay ça mon cher litéri bambi nous ton celle là depuis la pli a tombé seulement droit on est envahi il vient descendre en bas craser bon belle ma tout côté ton celle là pas bon ton celle là route la gâté tout côté gain tout bon ça c'est fait que ou gain droit dans route là marcher comme ça et puis sans attendre nos machines font coup de guidon sous ou même qui chauffeur moto font coup de volant sous pas ça qui fait ça la pépani on tout sans que c'est pas un monde la pépani la banyon tout qui crasé et que nous avons coup de volant sous. En plus pour ces Fatra qu'a fait tout le monde qui fait route la explication système signalisation pour gérer circulation empêcher embouteillage pas exister dans zone Kafou Fleurio Torsel à Clot axe qui tout près yo. Yo chauffeur moto qu'a expliqué qui Jean poussière a fait le malade exposé problème absence ligne signalisation sur route là. Soit pour m'a parler là m'enrhumé. C'est là où fait mal gogo casse ça empêcher. Mais votre camion vini là bateau. Général, pas gain Kafourita, pas gain Clefil, pas gain Fleurio, pas gain pour monter sur route. On va aller là ça. Ça va arriver là-bas. Quand on Kafou Fleurio là, parti Kafou ça, il est l'école des matin là papa. Il était chargé. Les après-midi, tout travail était vide, tout le monde a rentré la caillou. C'était chargé encore. Il a dit c'était gros signalisation là. D'après des circulations faites mieux, pas de mesure de policiers, parce que dans 2020, on est libéré rouge, j'ai connu le campé. Laisse ça. D'après des circulations faites, parce que les gars, ils quand même exclus. Même si les gars sont dans des zones, mais depuis les gars, ils sont quand même, ils vont dire, ouais, on est libéré rouge, j'ai pu la force, c'est pas de que l'autre machine rentre. Pour réalité, Kafourita, zone de CPJ, c'est réel en moins, citoyens ont lancé by autorité de facto. Depuis la pluie tombée, c'est gros de l'eau qui envahit zone nan, route la coupée, ça gêne déplacement moun, empêche machine, motocyclette, tout ce qu'il est. De boss soudé, cap travail, nan fait forger après compter calvé, moun Kafourita yo ap monté à cause état route là. Donc généralement, autorité concernée yo, pas wel, l'air passé yo passe sous gros machine yo, pas wel ça, mais qu'on a moun kap passe à pied. Des fois qu'on a tombé dans le canal, ça l'a regardé là, entre des Kafourita à Kafourita. Donc, route là, pas bon, et l'aide de l'eau à descendre, il y a un pile problème, moun à pied, pas qu'à passer, c'est une catastrophe. Le gainage là, c'est automatiquement de l'eau à dormir là, parce que de l'eau a toujours dormi là, automatiquement de l'eau à dormir là, la prase route là. Pour nous, nous sommes dans la poussière, nous sommes dans la boue, donc automatiquement, pas gain la pli, ou après là, et poussière fait nous pas arrêter et les là pli vinn vini donc là nous même nous quand l'eau qu'on monter tout à terre là donc nous pas qu'à travailler à cause de la boue mais après ça poussière son bail tête sur route
aéroport, problème asphalte cap disparaît, gros trou dans la rue, pile fatra qui présente tribord par bord, problème signalisation qui oblige policiers à faire circulation, pile machine qui gagne dans toute zone 3 mais bayon image répiance, la honte misère sauvage, sous développement sans pareil pour route ça qui connecte Haïti avec le monde. Marchand qui expose business yo déclaré, c'est parce que pas de marché public qui fait yo obligé à chercher la vie sur route là. Nous sommes des amis, pas tellement trop danger pour marcher nous vers son nom. Bon, nous t'as supposé pas vendre sous lui, si pour ne pas vendre sous lui, faut l'état pas mettre un marché qui est disponible qui là pour nous. Ah, nous pas un côté pour aller dans le marché, nous obligé vendre sur route là. En pile les salibou. Bon, bah, c'est le bon en face de nous là actuellement. Si vous suivez bien, parce que après ça, c'est en face de nous. Mais quand même, nous restons, nous résignons, nous exposons des vies. Nous sont en route qui charge, on paye qui charge totalement à Fatra. Tant que vous regardez pour sous bon, l'aéroport, nous ne pouvons pas supposer qu'il y a Fatra là-dedans. Citoyens qui parlent aux mandats d'autorité, vous voyez, j'ai gardé situation route aéroport, boulevard 15 octobre, Kafourita, Kafoufleurio, qui montrait à clair l'établi existence contribuable. Sous côté problème, lumière signalisation, absence éclairage sur route, créé plus conditions pour bandits commettre mauvais actes dans un contexte côté insécurité a frappé fort dans la capitale là, tant qu'on dans la ville provinciale. Hervé Noël, Radio Kiskeya. Merci. Et puis une tempête de neige bloquée, capitale fédérale américaine Washington, après une période faite côté température était plus rappelé printemps que hiver, et bien une tempête de neige côté dans zone Maison Blanche, pour monde capable faire, un pile monde capable patiner, gagner qui a fait ski et toute l'école fermée, bureau fédéral était fermé pendant journée jodia, et puis un pile bouleverse dans trafic aérien, un pile neige dans capitale fédérale le pays états-unien. Nous pral fermer journal là n'a fini n'a retourner ak interview et docteur Pape nous connaît qui sont somnité haïtienne dans domaine sciences médecine recherche et qui non seulement c'est patron Sanjesque en Haïti mais qui fait partie de conseil de grandes universités aux États-Unis ou bien de grands hôpital côté et il fait partie tout de OMS et comme et conseiller et qui te fait partie de conseil et scientifique gouvernement haïtien concernant et coronavirus. Non, nous songer année passée les épidémie ça a frappé Haïti. Donc il te ban nous interview journée aujourd'hui, il dit gagnent deux épidémies dans pays à un moment n'a parlé là, une c'est influenza et l'autre là c'est coronavirus. Non. N'attendez docteur Pape qui t'est parlé comme ça dans micro Ketia Jean-Pierre Taylor et il fait partie de centre de recherche Cornell University et puis l'hôpital dans New York et avec OMS. Il y a au moins deux épidémies que nous gagnons pour hier. Il y a d'abord épidémie de grippe saisonnière qui est due à influenza AH3 et influenza B, ça c'est Covid là. Donc c'est deux bagailles que nous gagnons en même temps. Et au monde capable de gagner les deux. Son grippe qui, aux États-Unis, il a affecté 50 000 personnes, c'est pour ça qu'il a accès à la grippe. Il y a 50 000 personnes qui le tuent chaque année aux États-Unis. En Haïti, nous n'avons pas de statistiques précises pour connaître combien de monde les tuent. Vous parlez de deux virus qui sont capables de faire les gens malades pendant le dernier jour, avec épidémie, fièvre, qu'on fait mal, qu'on crase. Vous parlez de virus influenza qui tue les gens aux États-Unis. Et puis, vous parlez tout de coronavirus. Coronavirus, est-ce que c'est coronavirus et nous te connaissons bien l'autre variant ou bien est-ce que nous gagnons variant Omicron sur le territoire? Pour documenter que vaccin Omicron là, il faut faire des tests sur les des tests de séquençage. Des tests ça, que nous pas fait en Haïti, que pour faire dans l'autre laboratoire à l'étranger. Et la plupart des pays pas fait, car nous ne pas fait non plus. Il faut des tests sur des laboratoires spécialisés. Dernière fois, nous avons fait étude de séquençage, les remontés dans fin octobre, et le ça, 67% caillot. C'était Delta que nous avons gagné. Ça fait nous penser que Omicron en Haïti, c'est au moins pour deux raisons. Parce que première raison, c'est parce que plusieurs Haïtiens qui sont aux États-Unis en particulier, côté que le virus-là finit enragé quand pour
la Floride et puis New York, ils sont rentrés en Haïti. Et les gens ont testé, particulièrement pile là dans le testé dans la boîte privée, et ils ont gagné très peu ou pas de symptômes du tout, mais ils ont testé positif. Ensuite, depuis environ deux semaines, le ministère de la Santé République dominicaine ici à la présence au micro à la CAILI. En fait, il y a des patients qui étaient sortis de ces domaines qui testaient positif pour micro en Angleterre et en France. Donc, nous connaissons en moyenne 4 000 personnes qui traversent ces frontières tous les jours entre deux pays et que Omicron est très, très contagieux, contagieux quand il y a ou jaune. Donc, ça veut dire que c'est normal que l'État en Haïti pougne. Même pas ouais, pour qui ça que d'inquiéter surtout Omicron, alors que nous passons Gamma, nous passons Delta, Variant, qui est beaucoup plus méchant que Omicron. Est-ce que nous sommes capables de dire, pendant les derniers temps, il y a plus de monde qui trappe le virus là? On a parlé de Corona, bien sûr. Je dis honnêtement, depuis des sorties dans la commission, ça veut dire depuis novembre 2021, et Kayo, ils ont continué, mais ce n'est pas des cas qui sont très graves. La raison, c'est parce que, Gadio, ou est de l'hôpital, nous avons fermé, ça parle fait presque un an que nous avons fermé. Et nous documentons que nous avons infecté, parce que nous faisons des tests pour eux, des tests spéciaux à y infecter, mais patients pas mieux, les gens que nous voyons, les gens pauvres, que qui clientèle jusqu'à ils ont infecté, mais ils sont pas malades. Et ils ont passé et Delta, ils ont passé Gamma, qui était méchant pour nous tous. Et donc, pour nous, là, nous pas remarqué une augmentation dans la population que moi-même m'appuie. Les gens que nous voyons, nous connaissons qui est infecté, c'est plus des voyageurs qui absorbent et aux États-Unis en particulier, à partir des États de la Floride et de New York. Je me dis que dans l'hôpital que je travaille, New York Hospital, 22% de staff infirmier a contaminé et ont tous vaccinés. Ça veut dire que le vaccin pas empêché d'infecter avec virus au micro. 94 à 95% de monde qui est hospitalisé et les gens qui ont une chance pour mourir, c'est les gens qui ne prennent pas le vaccin. Maintenant, on a intérêt que ce micro, que c'est l'autre variant, prend le vaccin. Et docteur Pape, est-ce que on est capable de dire Haïtien ou bien Haïti, son pays qui est épargné de maladies coronavirus? C'est tout à fait vrai, mal bon statistique. En Haïti, nous avons 58 personnes qui mourent par 1 million d'habitants. 58. Jamaïque, il y a 751. République dominicaine, il y a 384. Cuba, il y a 727. Et nous n'avons pas qu'à dire que nous avons une meilleure santé, meilleur système de santé que Cuba, loin de là. Et nous n'avons pas qu'à dire qu'il y a un meilleur système de santé que Jamaïque ou République dominicaine. Donc, il n'est pas venu dans le système de santé, il est venu vraiment dans le fait que la population lui-même ait une sorte de protection qui aide. Et si nous regardons également la population pays d'Afrique, qui est côté que l'esclavage était sorti pour vivre en Haïti, j'avais dit origine, non. Eh bien, on va regarder que Bénin, avec Congo, il y a même 12 personnes qui mourent pour 1 million d'habitants. Donc, c'est eux qui gagnent le plus vite encore. Comparé à l'Afrique du Sud, mais même qui gagnent 1585 personnes qui mourent pour 1 million d'habitants. Donc, bon statistique qui est très en faveur de certains pays en Afrique. Et pays sérieux, il se trouve que l'origine haïtienne, en général, vient dans la République démocratique du Congo, de Bénin. Et ils ont même protégé contre pandémie corona. Scientifiquement, ils ont protégé, donc ça, parce que c'est ça qui est de nous plus qu'aucun autre bagage. Scientifiquement, protection, ça a coûté une sortie. Bon, nous connaissons que génétiquement, il y a des facteurs génétiques qui déterminent, sous par le fait, une réaction sévère à virus-là. C'est-à-dire, le virus est infecté, les gens qui mourent, c'est des gens qui font des réactions contre le popcorn. C'est ça qui fait que le médicament qui est plus important pour le cabaye, c'est le médicament à base de cortisone pour bloquer l'inflammation. Ça. Eh bien, nous connaissons que l'inflammation, ça, il y a des facteurs génétiques qui déterminent les lits. Donc, c'est très possible que
population que nous avons en Haïti et ce que nous avons étudié. Nous avons étudié avec l'Université Cornell et l'Université Rockefeller. Ce que nous connaissons, que la population ça a, les probablement gain une sorte de protection contre lui. Il y a également le fait que la population est jeune, mais tout le pays d'Afrique, y compris ça qui gagne un pile de monde qui mourit et ça qui gagne peu de monde qui mourit, y compris la République dominicaine, y compris Jamaïque, il y a une population jeune. Donc, la population jeune n'a pas suffi pour expliquer ça. Il y a d'autres facteurs qui contribuent. Voilà, nous devons suivre l'interview, ça, dans l'intégralité, l'interview Dr. William Papp, qui est un éminent scientifique haïtien dans le domaine médical, et Radio Kiskeya, il t'a répondu à la question Ketia Jean-Pierre Taylor. Et puis, dans le prochain journal, on va avoir des détails concernant la conférence pour la presse, nouveau patron Digicel Haïtien, Jean-Philippe Boinbay, côté de justifier décision Digicel Point pour augmenter prix plan. Qui donc service la baille population à cause de l'augmentation prix gaz. Non? C'est une explication et puis avec difficulté, compagnon a fait face d'après ça le préciser, mais c'est dans le prochain journal. Restez sur Radio Kiskeya pour le reste programme. Nous dit tout le monde bonsoir à demain. Journal 4A, c'est Unibank qui t'épotait pour nous. Unibank, banque 5 étoiles là.